Ah, bon. D'accord. Non, non, non. T'as failli être appelé pour un devoir plus important, j'ai nommé le freeplay. Mais non, mais... Je suis désolé, mais... À la rigueur, quand il y aura le ladder après, c'est après. Oui, effectivement. Et on part du coup sur, on le disait, Darkman contre Ime, Carol contre Aegis. Il y a énormément de raisons qui font que ce match-up, il est... Je vais pas dire impossible pour Carol parce qu'il n'y a pas de match-up impossible dans ce jeu. Mais c'est dur. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Carol n'a pas la mobilité. Carol n'a pas les options pour, j'allais dire, pour atterrir. Il a son nerf. Donc le nerf est plutôt bien, mais il est vraiment prévisible. Ok. Et à côté de ça, quand tu te fais juggle en tant que Carol, ah, tu douilles. T'es dans la sauce, hein. T'es vraiment dans la sauce parce que t'as ton. Alors en vrai de vrai, il y a des trucs qui vont. Genre notamment, tu peux. Ouais, magnifique, magnifique coup en termes de trouver, ouais. Tu peux side B. L'armure du side B, elle est très bien pour quand tu te fais juggle avec Carol parce que okay. Tu peux atterrir avec, quelques dégâts, mais presque gratuitement en termes de. Ouais. En termes de. Deux. Pas de hitstun, c'est pas ça que je cherche. Donc t'atterris gratuitement en échange de quelques dégâts. Voilà. Merci. Et là, tu vois, c'est... Là, c'est compliqué. Non, c'est dur. Là, c'est on a trouvé un confirme du côté de Ime et là, on déroule l'avantage. Ouais. Et on a trouvé le même confirme, pratiquement. Est-ce que Carol a des avantages quand même dans le match-up, des trucs qu'il peut exploiter? Alors, peut-être la récolte. Pas contre Ime. Ah ouais, c'est, en fait, c'est ça le truc compliqué. C'est qu'en plus de ça, je l'ai entraîné sur le match-up. Donc il y a des trucs qui peuvent être utiles quand tu connais pas le matchup. J'ai nommé la couronne et effectivement la recovery. Tu peux aussi correctement aller edgeguard. Mine de rien, il faut en parler parce que le back air de Carol, il tape pratiquement à la verticale sous le terrain. Okay. Mais du coup, vu la recovery des Aegis, si elle fait pas attention, elle peut se prendre le back air et elle peut se prendre un spike à ce moment. Okay. Mais si la Aegis fait gaffe, il y a aucune chance qu'elle se le prenne. Si la Aegis fait attention et si la Aegis sait mix up ses timings, il y a absolument aucune chance que ça marche. Okay. Et Ime va faire attention. Il y a aussi le fait que, voilà, le retour de la couronne, tu peux... Ouh, dommage. Oh, okay. Tu peux correctement te le prendre, le retour de la couronne, si tu fais pas attention, mais en fait, tu peux simplement le grab, et les Aegis sont trop fines pour se prendre le retour de la couronne quand elles ont grab Kero. Ok. C'est-à-dire, elle va pas se le prendre, elle va pas se faire punir quand elle va grab au retour de la couronne. Ok, ok. Et attention, parce que Darkness, il est sur un truc, hein. Ouais, ouais, ouais. Je pensais qu'il allait faire un merde, mais non. Ah, ouais, non. Ouais, non. Bah. Ah, c'est pour ça. D'accord, je me disais, en fait, il y avait un truc bizarre, il avait l'air trop enthousiaste. Ouais, on dirait qu'il avait trop envie de. Ouais, non, il avait l'air beaucoup trop chaud, mais du coup. Bizarrement, c'est parce qu'il affronte Little Nook. Ouais. Effectivement, du coup, bon, bah voilà, une match-up difficile, hein, comme on a pu le constater. Voilà, on va voir Marie, pour le coup, c'est un match-up que je connais moins. Ça me paraît quand même vraiment pas facile. Hein. Bah, instinctivement, je me dis qu'Aegis a l'avantage. Oui. Parce qu'elle va pouvoir facilement rentrer dans la défense de Isabelle. Mais après, ce sera... La plupart des épéistes, non? Ah ouais? Contre Isa. Ouais, mais il y a la vitesse quand même du côté d'Aegis. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a la vitesse en plus, surtout du niveau de Mitra. Ah ok, ouais. On a très bien anticipé ça. On a parlé de plein de trucs, on n'a pas parlé de la recovery d'Isabelle, qui pour le coup va se faire attraper assez rapidement. Ouais, qui est l'une des récos les plus exploitables du jeu en vrai, parce que tu la connais bien. Parce qu'elle a pas de hitbox, elle est assez lente. Ouais, malheureusement, hein, c'est une reco qu'elle partage avec Villageois et les deux sont en proie à beaucoup beaucoup de choses. C'est une reco qui me fait penser à celle de Duck Hunt aussi. Ouais, celle de Duck Hunt est quand même pire. Pourquoi? Ouais, mais bah parce qu'il y a le. Comment dire? Quand tu up B, t'as ce moment où tu descends vers le bas et tu remontes après. Oui. Je sais pas comment expliquer. Oui, non, si, je vois ce que tu veux dire. Après, oui, elle est moins bien en termes de direction. Pareil. Mais au moins tu peux agir après. C'est vrai. Alors que Villageois et Isabelle, tu peux pas. Dark Hunt, il veut plus. On l'a vu hocher la tête sur la player cam. Ah là, c'est compliqué. Hein. Alors, il va falloir être un super héros. Je suis là, moi, pour la réplique. Mmh.
Je sais pas, pardon, excuse-moi, du coup, tu disais quoi par rapport à... Il va falloir être un super-héros pour gagner, là, parce que c'est... Ok. Ouais. On arrive quand même à trouver ce qu'on firme, mais... Isabelle, c'est pas forcément un perso qui est connu pour comeback super bien. Ah, c'est pas un perso qui est connu pour faire grand-chose super bien, non. Et je dois être sincère avec toi, Isabelle, c'est pas un très bon perso, quand même, pour en parler. Oui. Oh, quand même. Ouais, okay, là, on a essayé. Là, on a essayé un truc qui aurait plus vraiment marqué. Isabelle, quand même, je me dis que si le perso a le lead, ça peut quand même devenir compliqué. C'est un perso qui peut potentiellement facilement garder le lead. Je sais pas. Oui, non, si, en soi, oui, t'as raison. Le problème, c'est de le trouver, le lead. Ouais, après, avec la mobilité de Mithra, même si t'as le lead, je sais pas, hein. C'est vrai que Ime trouve très très facilement ses confirmes dans tous les cas. Donc, Et là, on a Isabelle qui doit essayer de Rico. Ok, c'est bon. Ouais, là pour le coup, on lui a offert une Rico un peu gratuite. Hein, Ime qui, je sais pas pourquoi, n'a pas forcément. Enfin, qui s'attendait à une Rico low et qui du coup a été chercher ça. Néanmoins, voilà, le set a été le set le plus rapide que j'ai eu l'occasion de cast aujourd'hui pour l'instant. Et ouais, là c'était difficile. Ouais, là c'est compliqué. Bon, écoute. On a Krabi qui a 2-0 Gaburela.